L'honneur me choisit en ce jour mémorial de porter très haut la voix de la plateforme nationale des coopératives, exploitants agricoles, de la pêche, de l'élevage et du développement durable. Pour vous souhaiter la cordiale des bienvenus et vous remercier de partager ces moments avec nous dans ce cadre agricole qui est nôtre. Je suis Amélie Garcia Medzamba, présidente nationale de la plateforme des coopératives. Monsieur le ministre, chaque année, le monde entier commémore la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Cette journée nous donne l'occasion unique d'attirer l'attention sur l'objectif de la région Afrique à la Banque mondiale de mettre fin à la pauvreté extrême sur le continent africain. Cette journée internationale pour l'éradication de la pauvreté est célébrée chaque année le 17 octobre afin de sensibiliser le monde sur la nécessité d'éliminer la pauvreté et la misère dans notre continent. La célébration de cette journée mondiale de la lutte contre la pauvreté est célébrée cette année sous le thème international « Mettre en pratique la dignité pour tous ». Le monde coopératif que je représente ici célèbre cette journée sous le thème national « Œuvrer pour la dignité individuelle et collective pour la promotion de l'auto-emploi ». Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement unies pour répondre à leurs besoins et leurs aspirations économiques, sociales, culturelles, communes au moyen d'une entreprise leur appartenant en commun et régie démocratiquement. Fondée sur l'entraide, l'autoresponsabilité, de la démocratie, l'égalité, l'équité et la solidarité. Le mouvement coopératif présente toutes les caractéristiques propices au développement durable et fait partie des solutions existantes pour réduire les inégalités des revenus qui sont en pleine croissance à travers le monde. Monsieur le ministre, l'accès au travail est un facteur de développement personnel et de savoir se prendre en charge. Lors du discours à la nation prononcé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République Ali Bongo Ondimba, qui dit « Nous aurons la création de 100 000 auto-emplois d'ici fin 2023 ». Il a dit aussi « Seul le travail décent et l'autonomie financière peuvent nous sortir de l'extrême pauvreté par le biais de l'auto-entrepreneuriat et l'entrepreneuriat coopératif. C'est dans cette vision que les coopératives, sociétés coopératives aujourd'hui, sont engagées dans leur mouvement coopératif en entrepreneuriat au Gabon, mais malheureusement, certaines politiques administratives et autres ne facilitent pas leur développement et leurs évolutions. Je vous cite quelques cas. La fiche circuit dont nous souhaitons la défiscalisation, qui crée un frein énorme à l'évolution des coopératives au Gabon. Alléger, simplifier, voire supprimer toutes les procédures administratives liées à l'auto-emploi pour les auto-entrepreneurs pendant une durée de 3 à 4 ans. Créer un fonds de garantie bancaire à l'entrepreneuriat pour financer l'investissement et les ressources liées au fonds de roulement. Réserver un certain nombre de métiers aux nationaux. Rendre opérationnelles les chambres de commerce provinciales pour renforcer le tissu d'auto-entrepreneurs et de promoteurs d'activités génératrices de revenus.
mise en place d'une usine de transformation de la farine de manioc à grande échelle. Nous avons un site dont nous souhaitons mettre en place un marché de produits bio dans l'estuaire, non loin des plantations des coopératives. Favoriser la vulgarisation de la promotion et la transformation locale de nos produits pour obtenir une place reconnue par la population gabonaise. Dans un monde caractérisé par un niveau sans précédent de développement économique, de moyens technologiques et de ressources financières, le fait est que des millions de personnes vivent dans l'extrême pauvreté suscite une profonde indignation morale. En outre, les personnes qui vivent dans la pauvreté doivent faire face à de nombreuses discriminations, notamment des conditions de travail dangereuses, des conditions de logement insalubres, des carences en aliments nutritifs. Accès inégal à la justice, à l'éducation, aux soins santé. Accès inégal au sport et une absence de politique, de participation politique. Monsieur le ministre, la liste est longue. Face à ces quelques contraintes observées, le monde coopératif au Gabon refuse d'être assisté permanent, mais il veut avoir des armes pour mieux se défendre, pour mieux se prendre en charge et contribuer au développement agricole du Gabon qui nous conduira vers l'autosuffisance alimentaire. Vive le mouvement coopératif du Gabon via la CAPDD. Vive l'agriculture gabonaise en route vers l'autosuffisance alimentaire pour que vive le Gabon. Je vous remercie.